rassemble des gens de tout horizon, de tout âge, et autour d'un thème qui est très important. Hein. La nourriture dans le monde, c'est quelque chose qui pose problème et qui... Et d'ailleurs, on a profité un petit peu de déguster quelques spécialités offertes généreusement là, par les participants, que ce soit des Allemandes, que ce soit des Africaines ou des Françaises et d'autres. Donc on se régale déjà avant de rentrer dans le sérieux du sujet qui va être peut-être pas du même goût que ce qu'on avait goûté. Cette journée, ça s'appelle donc le Festival des Solidarités. Pour moi, ça représente quelque chose d'important, surtout cette année, où le thème, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que je suis dans une association qui s'appelle CCFD Terres Solidaires et qui travaille essentiellement pour la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud et de l'Est. Mais on voit qu'ici aussi, il y a des personnes qui n'ont pas la maîtrise de leur alimentation et qui souffrent de la faim. C'est un peu étonnant, mais ça existe aussi chez nous. Donc voilà, c'est pour mettre en commun nos idées, nos expériences. Voilà. C'est sur l'invitation d'une des organisatrices qui m'a demandé de venir. Elle apprécie ce que je fais comme musique et elle voulait partager avec les invités pour l'association. Moi, je suis Jean Coltona. Il y a deux personnes qui m'appellent Diapto. Je joue du balafon et puis elle voulait faire découvrir ça aux participants à l'événement.
Comité Éco, comme vous voyez ici. C'est une nouvelle association donc, qui permet de rentrer en contact avec les citoyens, les associations, les petits commerces pour essayer de mieux tisser le territoire et la transition écologique. C'est une façon de réinventer un petit peu le lien social dans la perspective du changement climatique, etc. Ça permet par exemple de faire la promotion d'ateliers de cuisine contributive, c'est-à-dire qu'on réunit par exemple dans une grande cuisine des personnes pour faire de la cuisine ensemble, la cuisine qu'on pourrait qualifier de bas carbone, c'est-à-dire avec moins de viande rouge, etc., des produits locaux, et chacun apprend des nouvelles recettes et apprend à cuisiner autrement, ensemble, en partageant les expériences, etc. Et après, chacun part chez lui avec un petit peu de nourriture pour sa semaine. Voilà. Ici, une ville de population. Le Burkina Faso et sa production laitière. Le Pérou, grand producteur d'avocats et d'asperges. Mais depuis mai, moi je fais le tour des quartiers, j'ai rencontré les gens pour leur parler du projet et j'écoute surtout, dans un premier temps on les a interrogés avec une enquête pour connaître leur habitude alimentaire. Et moi ce que j'en tire, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur notre territoire, ils ont envie surtout de faire des économies, quoi. Ils recherchent les bons plans. Pas vrai, mesdames? Les bons plans, c'est ça. Et je crois que c'est une réponse à... Tout simplement, c'est une réponse à ce qu'on vit en ce moment. C'est la crise. Déjà, crise économique. Et ce qui est paradoxal, moi, j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur une ferme pédagogique. Et on faisait de la récup alimentaire. Et imaginez qu'on récupérait quand même 4 tonnes de nourriture par semaine. Voilà. Je crois que le constat, c'est qu'on est dans une société où, d'un côté, il y a une surconsommation... Et de l'autre côté, il y a des gens qui arrivent plus à finir les fins de mois ou à boucler les fins de mois. Alors ça, c'est un peu les causes ou les raisons qui m'ont poussé à adhérer au comité éco, dans le sens où on souhaite mettre en place une initiative qu'on voudrait partager avec les habitants. Le festival des solidarités. Et on montre nos solidarités, comment on est solidaire. Surtout sur la question de l'alimentation, c'est très important. La souveraineté de l'alimentation. Il faudrait que tous les pays, enfin tous les humains, tous les citoyens, arrivent à manger à leur faim dans le monde. Il faudrait qu'on arrive à ce degré-là. Mais vraiment manger à leur faim. Voilà. Et maintenant, on va vous présenter le micro-trottoir de Parole citoyenne de la ville de Saint-Denis. Je vais appeler les panélistes un à un. Bienvenue, monsieur Carcenté. Madame Lamarre, oui, j'ai pensé, c'était vous. C'est vous. Et une présentation de Guéra de notre cité. Und jetzt. Okay. Et alors je change la langue. Und deswegen ist uns diese Partnerschaft auch sehr, sehr wichtig. Et c'est pour ça que notre jumelage avec Saint-Denis est très important pour nous. Et on a un tout petit château. Et une orangerie qui va avec le château. Wir würden gerne vielleicht zur Fête de la Musique, die Musiker von heute, die das Festival eröffnet haben, einladen. Ah, et aujourd'hui, elle a eu une grande idée. Elle aimerait éventuellement inviter les musiciens qui ont inauguré ce festival de venir pour la Fête de la Musique. Okay. Zurück zu unserer Gera-Tafel. Dort arbeiten insgesamt 48 Menschen. Alors, à la Tafel de Gera emploie 48 personnes. Sie machen das freiwillig. En fait, c'est pas des employés, c'est des bénévoles. Ohne bezahlung, ja.
donc ils ne sont pas payés. Donc tous ces gens qu'on accueille et qui n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de statut, parce qu'ils n'ont pas de carte, donc c'est des choses qui sont essentielles à voir. Et je voudrais quand même rappeler la loi qui est en train d'être discutée au Conseil constitutionnel, qu'on aura la réponse le 26 janvier, qui ne donnerait pas exactement les mêmes droits aux immigrés, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de papier, qu'aux Français. Alors, la situation en Allemagne, c'est la même, ça parle de la même, où on a la même précarité. Dans leur association, c'est tous des gens qui possèdent des papiers, étant donné qu'ils sont déjà enregistrés dans des services sociaux. Bonsoir, bonsoir tout le monde. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous. Mais j'ai été agréablement surprise. C'est un événement organisé par l'association Un âme et tout. Et j'ai surtout découvert toutes les activités que font les associations autour de la lutte contre la faim dans le monde. C'est assez impressionnant. On ne peut pas rester insensible à cela. Merci. On peut parler d'alimentation équilibrée, c'est bien. Mais il faut déjà un strict minimum. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc je me présente, M. Kersanté, qui était... Je suis né à Saint-Denis, avenue Stalingrad, et dans un terrain maraîcher, c'est-à-dire les légumes, et où j'y ai travaillé jusqu'à 77 ans. Et on devient ce que l'on mange. Alors, on ne mangeait pas de la... Du coup, voilà. Du coup, ça me rappelait ça, du coup, dans cette philosophie-là, voilà. de manger sainement pour avoir un corps sain et un état d'esprit sain. S'inscrit dans cette démarche-là, dans cette philosophie. Donc, moi, à l'association Clean Amen, je suis aussi à Clean Amen. Là-bas aussi, toutes les matières qu'on produit, comment on peut composter aussi, même dans ce qu'on produit de nourriture pour les maraudes, tout ce qu'on peut composter, comment on retourne ça au sol, comment on redonne au sol tout ce qu'il nous a donné. J'ai été voir les patrons du Franprix. Je leur ai dit, moi, mon association, elle s'appelle Rien ne se perd. Pourquoi vous ne donnez pas? Pourquoi vous triez pas? Pourquoi vous ne déposez pas ça à côté de votre porte, tout ce que vous ne pouvez pas vendre, au lieu de les mettre au fond de la poubelle, défoncer et mélanger? C'est pas digne pour les gens qui fouillent. Mais c'est quand même bien d'être là, de se sentir utile un petit peu et de faire des choses pour qu'il y ait plus de solidarité entre nous et de faire des actions. Et je vois qu'il y a pas mal d'actions qui se passent autour de nous, avec l'alimentation, avec... Là, il va y avoir une chorale, des chansons, et c'est bien, ça réchauffe le cœur. La religion, et si l'humanité n'existait pas, Dieu pourrait-il exister? Et si l'humanité était Dieu, que ferait Dieu sans l'humanité? Oui, mais les athées ne croient pas en Dieu et vivent. Croire les athées qui ne croient pas, sans croire de nos jours, que nous reste-t-il? Je voudrais savoir tout cela, mon dupide. Je croyais te connaître. Je vais te répondre. Eh bien, réponds-moi, réponds-moi. Je croyais te connaître. Je vais te répondre. Je te dis. De l'œuf, oui. Et de la poule, qui est apparu le premier? Oh, là, il faut en entendre de toutes les couleurs, hein. De l'œuf. Et de la poule qui est apparu le premier. Alors là, philosophie, hein. Et je voudrais bien répondre à ça, chère madame. Hein. Déjà, merci beaucoup qu'elle soit présente. C'est pour valoriser ma culture, la culture, parce que notre tradition est en perdition de vue. Et c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi ne pas venir valoriser ma culture ce soir
et démontrer qu'on en a beaucoup à faire en Afrique. C'est une belle journée, là, le thème est hyper important et ça concerne tout le monde. La souveraineté alimentaire, voilà. Asamaou Lama de l'association Namutu France. Donc, je commence d'abord par me présenter. Si vous voulez, je suis coordinatrice du collectif Solidarité Saint-Denis et coordinatrice aussi du Festival des Solidarités. Et cette année, le thème, c'était la souveraineté alimentaire. Donc, vraiment, à la fin de cette journée, tout s'est bien passé. Il y a eu une fanfare et tout s'est bien passé. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai un cœur joyeux. Voilà. Et je pense que c'est de même aussi pour nos invités qui sont venus de Guéra, qui est une ville qui est jumelée avec la ville de Saint-Denis. Ils ont un partenariat, un contrat de jumelage depuis presque 60 ans. Donc, c'était vraiment une grande fierté pour nous, le collectif, d'avoir organisé cette journée et que tout le monde, il y a eu du monde qui sont venus et qui sont vraiment repartis très, très, très joyeux. Voilà.